Bonjour en welkom in het prachtige historische Bastogne. We zijn hier aan het bekende oorlogsmuseum, dat natuurlijk heel belangrijk is wanneer we spreken over de slag om de Ardennen. En hier vlakbij vind je het herdenkingsmonument Mémorial du Mardasson, wat de kern van de strijd kenmerkt. Zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen, maar er is natuurlijk nog veel meer om te bezichtigen. Dit beeld van generaal McAuliffe is hier geplaatst ter nagedachtenis van die bekende generaal. Hij begon als Amerikaanse soldaat, maar schopte het al vlug tot commandant. En wat je misschien niet wist, is dat Bastogne ook het centrum van innovatie is op het gebied van horloges. En dat komt natuurlijk door het succesverhaal van IceWatch. Jean-Pierre, nous venons de découvrir Bastogne, mais IceWatch fait aussi partie de cette ville historique. Voilà, alors Bastogne est connue pour la guerre, connue également pour Liège-Bastogne-Liège, la course cycliste, et aussi parce que IceWatch est là et qu'on vend nos produits à l'international, et que je sais que beaucoup de Belges sont fiers de pouvoir porter des montres et montrer que ça démarre ici, à Bastogne. Et quelle est l'histoire de ce bâtiment ? Eh bien, c'est pratiquement le seul bâtiment qui a résisté à la Seconde Guerre mondiale et on lui a donné un nouveau futur, parce que c'est bien de parler du passé pour Bastogne, mais j'aime bien parler aussi du futur pour Bastogne. Et le futur, c'est aussi des entreprises comme IceWatch, où on voit des jeunes qui travaillent, qui créent. Jean-Pierre, tout le monde connaît évidemment IceWatch, mais comment ça a démarré ? Alors ça a démarré par une petite montre sur laquelle on a mis de la couleur et du silicone et surtout un concept. Le concept était basé sur la valeur sociale du changement. On peut changer de montre pour plusieurs raisons, le prix, la couleur et l'activité dans la journée. Et aussi le deuxième pilier, la forte identité à travers la boîte, parce qu'on a vu ces boîtes partout dans toutes les bijouteries du monde entier. Et quel est le concept aujourd'hui ? Alors maintenant, on a décidé d'évoluer. Le changement est devenu le changement éco-responsable. C'est pour ça qu'on a mis et qu'on a créé des montres Solar Power, donc qui se rechargent à l'énergie solaire. Donc plus besoin de changer de batterie. Qu'on est parti sur du packaging, qui est un packaging en fibre de plastique recyclée. Et un autre packaging qui, pour nous, est très important, c'est ce nouveau packaging ici. Pourquoi ? Parce qu'il est fabriqué à Bastogne par des personnes de travail adaptées et en même temps en plastique recyclé. Prendre une, deux et se dire mais qu'est-ce qui va avec, hein, ça va très bien aussi parce qu'il y a le doré qui est à l'intérieur qui rappelle. Et si on prend les bijoux que vous avez, c'est ça et ça. Hein, donc les deux sont bien. Hein, on est dans les mix, donc il faut en mettre une sur chaque poignet. Là, c'est très bien, hein, ça donne vraiment bien. Bon, Jean-Pierre, on se trouve maintenant dans le centre logistique d'IceWatch. Voilà, donc c'est ici que les montres arrivent et c'est ici qu'elles repartent un peu partout en Europe. Donc la Hongrie, l'Espagne, la Hollande, forcément la Belgique aussi. C'est ici qu'elles sont aussi réparées, hein, vous pourrez le voir. C'est un centre logistique neuf, très performant. Alors, en tant qu'entreprise, comment vous voulez changer le monde sur le plan écologique ? Donc ici, il n'y a que des panneaux solaires, donc on produit plus que d'électricité verte que celle qu'on consomme. Et nous avons aussi des abeilles qui nous fabriquent du miel que l'on distribue à des associations caritatives. Ce qui est important pour nous et pour Bastogne, c'est qu'il faut avoir du respect pour l'histoire, mais il faut aussi projeter Bastogne dans le futur. Et donc je pense qu'ici, c'est une entreprise qui projette Bastogne dans le futur. Bonne chance. Merci.